Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, c'est un livre que nous allons regarder ensemble. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. J'espère que cette vidéo te plaira et qu'elle te donnera envie de t'abonner, de continuer de me suivre. Bienvenue dans mon univers, hein. Tu le comprendras au travers de cette vidéo, je suis vraiment une grande amoureuse de l'univers des cartes, tarot, le normand, oracle, Béline, etc. Donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager tout ça avec toi en espérant que ce soit contagieux. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, quel livre allons-nous regarder ensemble? Il s'agit de celui-ci. J'ai eu la chance de le gagner à un concours Instagram et j'étais mais vraiment tellement heureuse. Il est très très beau, il est très bien fait. Alors la vérité, j'ai pas regardé tout, j'ai pas lu tout le livre, hein, parce que pour moi c'est plutôt un livre qui te, tu vas voir, hein, c'est la voix intérieure du tarot, déjà t'as compris en voyant le titre. Donc c'est un livre que tu laisses vraiment tout près de toi et qui te sert dans ton apprentissage de tarot, mais pas n'importe comment. Là on travaille, on parle vraiment de quelque chose de profond, d'un travail intérieur. C'est pas un livre avec uniquement la signification, la symbolique de la carte, pure et simple. Quand je dis simple, attention, c'est pas péjoratif. Là, on te propose vraiment de faire un voyage intérieur, mais à l'intérieur de toi, grâce au tarot, pour eh bien comprendre un petit peu mieux qui tu es, progresser, évoluer. Donc, c'est vraiment un outil de développement pour moi personnel et d'éveil, hein, et d'éveil spirituel. Donc, c'est vraiment un magnifique ouvrage. Donc, La voix intérieure du tarot de Marseille. Un livre de Sidonie Kukolj et Véronique Gronet-Mayence. Je suis désolée si j'ai écorché les noms. Je vous prie de m'en excuser. Les tirages originaux pour vous révéler à vous-même. Voilà, et c'est aux éditions, et les bords. Donc très très joli livre, on va les regarder ensemble ce qui est écrit au dos parce que c'est quand même important. Chacun d'entre nous peut ressentir de temps en temps le besoin de mieux se connaître. Suis-je sur le bon chemin, en accord avec moi-même? À quelles ressources innées puis-je faire appel? Quelle est ma mission de vie et quels sont les blocages dans mon couple, dans mon travail, ma famille? Le tarot, art sacré ancestral, est un instrument puissant qui agit au plus profond de nous et nous permet de trouver des réponses, d'appréhender nos problèmes plus sereinement, de nous libérer des émotions paralysantes et de transformer le négatif en une énergie positive et créatrice. Les auteurs et leur approche novatrice du tarot de Marseille proposent des tirages mensuels, quotidiens et ponctuels inédits pour se laisser guider par les messages des arcanes, ainsi que des exercices puissants de développement personnel et des rituels magiques à expérimenter. Ce livre offre de multiples clés pour ouvrir les portes de la compréhension de soi et nous montre que rien n'est figé. Grâce à ces outils pour dépasser les obstacles de notre vie, il promet de nous aider à changer notre destin et de révéler notre magie intérieure, transformant l'art des lames en véritable tarot psychologique. Donc tu vois, plein de promesses ce bouquin. Ici, donc Sidonie Kukolj, est tarologue, coach en développement personnel et formatrice au tarot de Marseille. Et Véronique Gouronet-Mayence est rédactrice et correctrice passionnée de tarot. Ici, petite info prix au passage pour toi si ça t'intéresse. Et alors, comment est-il fait ce bouquin? Donc ici, dans le sommaire, ici Tarot de Marseille, un outil pour mieux se connaître, le besoin d'un retour sur soi, une méthode inédite et efficace, un peu d'histoire sur le tarot, le petit vocabulaire du tarot, ici les arcanes majeurs du tarot de Marseille avec la roue tarologique ou le chemin du battleur, la signification psychologique des lames. Et ensuite, tu as les caractéristiques générales des lames avec donc les 22 arcanes majeurs qui sont ici. Ensuite, les tirages, comment procéder au tirage. Et ici, les tirages mensuels avec janvier, le diable, février, l'étoile. Donc, ça peut paraître un peu complexe à comprendre quand tu regardes comme ça le sommaire. Mais crois-moi, quand tu l'as entre tes mains après, ça devient beaucoup plus clair en l'utilisant. D'accord? Et donc, tous les mois jusqu'au mois de décembre. Ensuite ici, les tirages ponctuels, on te propose un tirage en croix, tirage de la colonne, tirage relationnel, tirage la couronne de Freya, tirage la pointe diamant, tirage celtique et tirage des quatre éléments.
Donc c'est vraiment très très chouette. Et ici, 21 pratiques quotidiennes basées sur l'énergie du tarot. Et là c'est pareil, on reprend les 22 arcanes. Ici tu as le battleur le premier jour, deuxième jour la papesse. Et tu vas travailler avec les énergies de chacune de ces cartes sur 22 jours. Et c'est intéressant ce principe des 21 jours pour intégrer de nouvelles informations dans tes cellules. Donc ça c'est chouette. Une conclusion et un mot à propos des auteurs. Alors, ici, je ne vais pas forcément lire là, si jamais tu te procures ce bouquin, eh bien je te laisse le plaisir de découvrir ça tranquillement à ton rythme. Un peu d'histoire, donc sur le tarot, on te rappelle j'imagine d'où ça vient. Ici, le petit vocabulaire du tarot, une lame, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est une arcane, la maison, le jeu, ouvrir un jeu, etc. On te dit ce que c'est. Ensuite ici les 22 arcanes majeures, donc oui tu l'as compris hein, quand je t'ai montré le sommaire, ce livre t'invite à travailler avec les 22 arcanes majeures, il n'y a pas les mineurs, mais en même temps c'est tellement complet déjà avec les 22 arcanes majeures que crois-moi tu ne vas pas t'ennuyer. On te range ici les cartes dans les éléments auxquels elles appartiennent, donc ici tu as la roue tarologique, hop. On te dit ici, par exemple, tu vois, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite et la roue de la fortune s'incarnent dans l'élémentaire, siège des expériences concrètes et matérielles de la vie. Ils nous disent, ici l'amoureux te dit, je dois à présent choisir le chemin qui me convient le mieux, donc le chemin du cœur. Le chariot, ici la justice, je suis déterminée à aller de l'avant pour changer, etc., etc. Donc c'est sympa, tu vois, à la limite, quand tu apprends, c'est pareil, juste avec une phrase, tu comprends précisément l'énergie de la carte et c'est pas mal du coup pour comprendre à quoi ça correspond. C'est peut-être plus facile pour certains aussi de cette manière-là, tu vois. Donc tu as l'élément eau, feu, air, terre, donc ça c'est sympa, avec le petit symbole qui correspond. Ensuite, la signification psychologique des lames, je t'ai dit hein, que c'était vraiment un outil de développement personnel hein, et d'éveil. Donc ça, c'est chouette. Là, on te dit, vous trouverez ci-après la définition psychologique des 22 arcanes majeures. Plutôt que d'en donner une explication purement théorique, nous avons voulu leur apporter une dimension plus vivante en vous montrant comment les personnages vont agir directement sur vous. Nous avons choisi de leur laisser la parole afin qu'ils vous racontent l'histoire que vous allez vivre au fur et à mesure de votre travail de développement personnel. Donc tu vois, c'est vraiment très très intéressant. Ici, tu as le battleur. Regarde, caractéristiques générales des lames. Donc quand tu prends la lame, on t'invite à regarder le regard du personnage, le corps du personnage et les couleurs qui sont sur les cartes. Si le regard, le personnage regarde vers la gauche, on te parle plutôt de réflexion sur le passé avant d'agir. S'il regarde vers la droite, là on regarde plutôt vers l'avenir, les projets futurs. Et s'il est de face, c'est plutôt le présent. Tu vois, c'est hyper intéressant. Le corps, s'il est debout, on est plutôt en mode action. S'il est assis, c'est plutôt l'attente, la passivité. Si le corps est tourné vers la gauche, c'est plutôt une réflexion, retour sur le passé avant d'agir. Et si le corps est tourné vers la droite, c'est projection et élan vers l'avenir, tu vois. Ici, les couleurs, si on est dans le rouge, c'est plutôt la créativité, l'action. Le bleu, la spiritualité, l'amour, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Ici, tu vois, on commence donc avec le battleur. Je suis enthousiaste à l'idée d'un nouveau départ, mais je dois veiller à ne pas me précipiter sans réfléchir. Donc ici, la carte du magicien, voilà, et on te dit, on t'explique ce à quoi ça correspond, et ça va être pareil, et après, écoute, ce qu'on va faire, tu vois, regarde, après tu as des mots-clés ici, et toi, tu toute une partie pour travailler avec, c'est vraiment très intéressant, tu passes ici après à la papesse, tu as toutes les cartes là, donc c'est toujours le même principe après, hein, mais c'est vraiment très intéressant, et après, ici, tu passes à la partie, pardon, les tirages. Donc là, on te propose comment procéder au tirage, la purification de ton jeu. Ici, les tirages mensuels, donc janvier, le diable, février, l'étoile. Voilà. Ici, tu as des propositions de tirage de cartes à 8 cartes. Hop, là aussi, quelles sont mes peurs enfouies avec le mois de mars, la lune, quelles sont mes peurs enfouies. Donc là, on travaille sur les peurs pour les mettre en lumière, comprendre pourquoi c'est là, comment est-ce que je peux faire pour me dépêtrer de tout ça, etc.
Regarde, légende et ou vérité, Ostara, rituel de l'équinoxe du printemps, parce qu'on te fait travailler, mais on te donne des rituels aussi. Donc c'est hyper intéressant. Tu as le rituel du renouveau. Ce rituel se pratique en extérieur, dans la nature. Donc je te le dis, c'est vraiment un bouquin qui est très très bien fait. Et là d'ailleurs, en te le présentant, je me dis que je vais pas le remettre dans ma bibliothèque, que je vais le garder à côté de moi et que je vais m'en servir à partir d'aujourd'hui là pour travailler avec, parce que c'est vraiment très intéressant, ça me permettre d'ouvrir plein de choses. Tirage relationnel, moi et les autres, tu vois. Donc là, c'est des propositions de tirage à 6 cartes. La carte 1, ce que les autres attendent de moi, ma réaction face à eux, ce qui s'est passé avec eux jusqu'à présent, etc., etc. Donc c'est vraiment très très chouette. Et ici, voilà, pour travailler jour après jour avec chacune des cartes, jour 1, le battleur. Aujourd'hui, même si votre journée vous paraît banale ou routinière, trouver au moins une occasion de ressentir de la légèreté et de la joie de vivre. Voilà, tu tires cette carte, voilà ce qu'on te propose de faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, et puis après à la fin, les mots de l'auteur. Il est vraiment, vraiment très, très chouette. On va aller là sur une carte, tiens, allez, j'ouvre au hasard et on tombe sur la carte de l'ermite, ça tombe bien, c'est ma préférée. Donc l'ermite nous dit quoi? Pas à pas, je progresse indéniablement, mais je suis facilement découragée si les choses n'évoluent pas assez vite. Oh là là, comment ça me parle! Allez, à la justice, vous vous êtes défait d'une partie de ce qui ne vous convenait plus dans votre façon de vivre. L'ermite, le regard tourné vers le passé, puisqu'il regarde vers la gauche, vous demande de prendre le recul nécessaire pour faire le point sur le chemin parcouru. Jusqu'alors, vous n'aviez qu'une vision partielle de votre problème. Vous percevez maintenant qu'il était le résultat de souffrances anciennes, de blessures profondes ou de manques sur lesquels vous vous étiez construit. Vous devez à présent aller à l'essentiel et vous questionner honnêtement sur son sens caché. Doué d'une grande sagesse et d'une connaissance acquise au fil des ans par la réflexion et l'expérience, l'ermite vous offre sa lumière, symbolisée par la lanterne qu'il tient dans sa main, pour voir plus clair en vous et vous guider sur le chemin de votre propre vérité. Il vous conseille de vous isoler un moment pour méditer, observer un temps de repli sur soi pour mieux vous connaître. Un sentiment d'inertie ou de piétinement peut alors vous envahir, mais vous devez être patient car les choses évoluent malgré tout, lentement mais sûrement. Des changements concrets apparaissent dans vos agissements et dans votre vie, pressentant désormais ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous faites de moins en moins d'erreurs, votre conscience s'éclaire peu à peu et une image plus précise de votre moi, de votre nouveau moi se dessine. Vous pouvez vous appuyer sur le travail que vous avez effectué jusqu'ici, comme le vieil homme le fait avec sa canne, le fait sur sa canne, pardon, ainsi que sur vos véritables valeurs et qualités, ce qui vous procure une plus grande confiance pour poursuivre votre quête avec sérénité. Il faut donner du temps au temps. Miguel de Cervantes, tu vois, une petite pensée. Ensuite, tu as les mots-clés concernant cette carte. Donc en positif, tu as sagesse, introspection, méditation, réflexion, prendre du recul, calme, prudence, patience, constance, besoin de solitude, etc. Et en négatif, repli sur soi, solitude imposée, sentiment d'impuissance, inertie, timidité, découragement. Voilà, voilà, tu les vois, tu peux faire arrêt sur image. Ensuite, légende ou vérité, ermite ou ermite. Oui, intéressant parce qu'on peut très souvent se poser sa question et moi je me la suis déjà posée. Prenez votre carte de l'ermite et regardez-la attentivement. Et là, petite histoire, Marcel Pagnol doit bien rigoler de là-haut en voyant l'orthographe de notre ermite écrite avec un H. Savez-vous pourquoi on l'écrit ainsi sur certains tarots de Marseille? Donc on t'explique, tu vois, c'est la petite histoire qui va bien. Donc je trouve ça vraiment super. Et ensuite, tu passes à la roue de la fortune. Et là, eh bien, à chaque fois, une histoire hyper intéressante. Donc c'est vraiment, c'est passionnant. Donc voilà, voilà. Écoute. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai envie de laisser le plaisir aux personnes qui vont certainement avoir un coup de cœur aujourd'hui en voyant cette vidéo-là, qui vont vouloir acheter ce livre. Je vous laisse vraiment le plaisir de la découverte. Si je montre tout, il n'y a plus d'intérêt après. Donc voilà, voilà. J'espère que ce livre te plaît. Fais-moi un petit retour, un commentaire pour savoir ce que tu en penses. Si tu as des suggestions de livres que tu as à la maison pour l'apprentissage du tarot, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi, hein, parce que moi, ça va m'aider, parce que je les connais
pas tous, et puis les personnes qui te liront, ça va les aider aussi. Donc merci à toi de prendre ce temps-là. Sur ce, moi je vous souhaite un bon apprentissage du tarot. Amusez-vous, faites-vous plaisir, d'accord? Il faut que ce soit joyeux. Amélie a dit, il faut que ce soit joyeux. Bref, que ce soit joyeux pour toi en tout cas. Belle journée à toutes et à tous, ou belle soirée. Et puis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!